venu devant nous pour nous rappeler l'importance de la date du 9 octobre 2016 à venir dans quelques semaines. Ces dates, le Conseil électoral l'a choisi pour lui organiser au premier tour élection présidentielle, élection complémentaire pour les législatives sénatoriales et élection pour nouveau tiers Sénat. Et peut-être plus tard, il pourra nous pour organiser le deuxième pour élection SAIO avec élection locale. On a invité nous tous pour nous répondre en masse à grand rendez-vous historique pour l'avenir démocratique et l'avenir politique du pays. Élection qui programme, il y a pour objectif permettre au pays de camper sur la route démocratique. Il y a tout pour empêcher ce pays de ne pas retrouver au banc des nations parce qu'il est écarté du chemin démocratique. Sans élection 9 octobre, le pays a réveillé en 2017, sans un président élu, sans parlement, avec un dysfonctionnement pouvoir judiciaire. L'homme dit sans un président élu, c'est sans gouvernement. 7 février 2017, obligatoirement, il faut avoir un nouveau président qui prête serment. Deuxième lundi de janvier, pour que le parlement a complété avec 6 sénateurs qui manquaient aujourd'hui, 10 nouveaux sénateurs qui pour rentrer et 27 nouveaux députés qui pour rejoindre 92 qui là pour y a. Sans élection ça y a, deuxième lundi de janvier, a bien seulement 14 sénateurs. Avec 14 sénateurs, le Parlement a dysfonctionnel. Comme Parlement dysfonctionnel, le gouvernement a perdu toute légitimité. Donc, le pouvoir judiciaire a pris déjà bancal avec deux grands juges à la Cour de cassation qui est toute légitimité constitutionnelle, donc nous prenons un pays où les trois pouvoirs d'État n'ont presque pas existé. Qui monde qui t'a rêvé que le pays a retrouvé une telle situation en 2017? Aujourd'hui, nous sommes réunis avec l'émission. Nous prenons décision pour nous signer arrêter convoquer le peuple là en s'accommodant pour que l'élection soit irréversible, il y a fait 9 octobre 2016 pour empêcher le pays à tomber dans la tchouboumbe ça, sans gouvernement, sans président, sans parlement et sans pouvoir judiciaire. Je dis là, comme on dit, le pouvoir législatif, le 9 octobre, si elles sont pas faites, la propriété de celles sénateurs. Pour voir l'exécutif là, il n'y a pas bien légitimité parce que il n'y a pas bien gouvernement. Pour voir judiciaire là, qui c'est la plus haute instance judiciaire du pays, comme moi, sur l'île, la fonctionner avec deux juges seulement, sous 12 que le tableau vient. Deux juges qui viennent légitimité constitutionnelle, sous 12 que le tableau vient. L'autre juridiction, yo handicapé dans le format, dans le fonctionnement, yo, parce qu'il y a des retards accumulés dans la certification du tableau bail. Juge qui pour former cour ça. Élection ça est important en pile pour pays d'Haïti. Sans élection ça yo comme on se dit, il y a qu'à disparaître sur la scène internationale comme pays démocratique. Et là permet nous tout combler tout vide qui vient dans trois pouvoirs l'État. Et là permet de nous assurer le bon fonctionnement des institutions républicaines. Le fait que le Parlement a fonctionné avec un effectif réduit, nous carrément nous compte près de 6 mois, Sénat a des difficultés pour l'élire au président. En pile décision d'État qui a doué compétence Sénat, il aurait bloqué. Par exemple, nous soumettons déjà de près de 3 mois 2 conseils d'administration pour gérer l'institution financière pays. Nous voulons parler de la BRH et de la Banque nationale de crédit. Ces 2 conseils, étant donné que pas ratifier, monde qui l'entête n'a pas de légitimité qui contrarie grandement autonomie et légitimité de ta droit gagner pour conduire la politique monétaire du pays. Problème d'insécurité, le directeur général
qui désignait. Ces dossiers ont été transmis au Sénat. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, le Sénat n'a pas prononcé. Donc, directeur, lui manquait toute autonomie qu'il a dû gagner, toute légitimité qu'il a dû gagner pour assurer pleinement son rôle de protéger et servir. Institution judiciaire, nous allons rendre compte que la principale conséquence, là, c'est gens pénitentiaires, centre de détention bon des mouns, parce que juge pas suffisant pour le nombre d'enquêtes que tu as dû mener. Et nous sommes la semaine dernière, là, l'hôpital dans le pays a fermé parce que de mouvement de grève. Et toute réponse que nous avons dû bailler, tu as dû dire qu'on a des moyens financiers. Or, depuis près de 2 mois, on a budget rectificatif qui soumet au Parlement pour être voté jusqu'à aujourd'hui, il y a ça pour pourtant voter. Puisque le Parlement n'a pas voté, il y a un pile incidence sous un pile action gouvernement. Donc, il y a un problème fatal dans la rue, problème environnemental, problème de sécurité, problème de sanitation, problème d'environnement, tout ça, il y a un mandat pour mobiliser l'argent. Pour gagner l'argent, il faut que le budget vote. Or, le pouvoir exécutif n'est pas le seul acteur en matière de loi de finances. Si la Constitution reconnaît au pouvoir exécutif le soin de les compétences pour élaborer le budget de la budget, lorsqu'il a été approuvé dans les mêmes termes par les deux chambres. Objet, budget, ça a été objet de la convocation du Parlement à l'extraordinaire en mai 2016 jusqu'à aujourd'hui. Tout projet de loi, tout accord international, tout projet de résolution qui se soumet à Parlement, tout encore en attente d'être voté, nous comprenons que ce sont des décisions qui handicapaient grandement le fonctionnement de l'État. Et dysfonctionnement ça, il y a incidence sur l'économie du pays. Et nous rendons compte que depuis 2011, il y a une instabilité qui frappait la monnaie nationale. Et je dis, de 2011 à 45 août, il passe à près de 59,7 à la fin de l'année 2015. Je dis, il est presque 64 jours. Malgré tout effort, toute intervention que la Banque centrale fait et le gouvernement lui-même pour lui faire en matière de limitation des dépenses publiques, en termes de gestion prudente et parcimonieuse des mêmes ressources disponibles, toute action ça y est, c'est ralenti, il y a ralenti la dépréciation monnaie nationale. Là. Pour nous stopper l'hémorragie, il faut que un ait des actions courageuses qui prend en termes que gagne un gouvernement qui a toute la légitimité pour affronter les grands défis économiques et sociaux qu'a brassé le pays. Même Jean-Tou, nous avons dit, gouvernement précédent, nous explique un paquet d'aides pour nous. Pendant que nous avons réduit des dépenses au minimum pour nous faire face à des obligations urgentes, mais nous n'avons pas ignoré le paquet d'aides qui ont quitté pour nous et que nous avons obligé payer. Et simultanément, à ces dettes accumulées, à obligation de répondre à certains grands enjeux politiques tels que les élections, recettes fiscales, ils même tout, ils sont victimes de cette instabilité politique qui prend naissance depuis la publication des résultats d'élections. Actuellement, on est à près de 65% de ce que les recettes devraient rapporter d'octobre à juin 2015. Jeudi, nous avons obligation pour nous déclencher l'élection, comme nous sommes à travers arrêter côté de convoquer le peuple en ces communes. Donc, pour nous parler de financement élection. Je dis, nous croyons que une plus grosse action nous gagnons pour nous prendre, un plus gros chantier nous gagnons, c'est le chantier électoral. Chantier ça, selon le budget électoral préparé par le Conseil électoral, il évalue le besoin à 55 millions de dollars. Nous dit que l'État, gouvernement ça, pas gagné d'autres chantiers que le chantier électoral. N'a fait tout ça qui possible, tout ça qui dépend de nous pour nous mobiliser les ressources qui sont demandées par le Conseil électoral pour que ce acte de souveraineté nationale haïtien prenne en charge. C'est dans ce sens-là que nous déjà chita avec un pile monde. Pas plus tard que hier après-midi, nous chita avec des opérateurs des télécommunications. Après-midi, nous avons fait 3 rencontres avec le Conseil électoral. Tout ceci s'est élaboré calendrier de dépenses et que pour l'État mobiliser aux échéanciers prévus quantité de corps que le Conseil a besoin pour le faire.
nous rencontrer des acteurs de la société civile, nous rencontrer la Fédération protestante d'Haïti, nous rencontrer les universités, nous rencontrer la société civile, c'est pour leur commander un coup d'appui fraternel, tout le monde qui a porté contribution, non, permettre nous de mobiliser moyens pour nous répondre à besoins électoraux. C'est l'occasion tout pour nous profiter de dire merci à sénateurs qui déjà prend engagement pour nous bailler 2 mois dans le salaire pour l'élection. Et ministre, nous sommes rencontrés là, en pile ministre enthousiaste pour nous bailler contribution par eux. Et en pile secteur dans la société, déjà publiquement dit, ils sont prêts pour nous porter contribution par eux. C'est comme aujourd'hui, nous avons mobilisé toute énergie, ça y est. Toute bonne volonté, ça y est, pour nous permettre, ressources de l'État, qu'a metté à la distance du Conseil électoral, congestion transparente et crédible de lui, et permettre toute contribution citoyenne, que nous parlons des CEO même qui gèrent, congestion transparente qui fait, pour que contribution citoyenne soit faite de façon efficace, et résultat que tout le monde attend, nous joignons. Je dis, si nous dépensons 55 millions de dollars, si nous obligés de faire face à une telle responsabilité et que nous appelons, il faut nous rassurer nous que l'élection est transparente, crédible, honnête, pour que l'élection suspende l'élection contestée dans le pays, pour que les gens qui pourraient bénéficier de la faveur de la population, c'est les gens qui ont toute légitimité pour affronter les grands défis qu'attendent le pays. Je dis, le peuple a convoqué en ses commissions. Arrêté à signer. Il pourra le publier dans les prochaines heures pour que, avant la fin de cette semaine, tout le monde branché sur l'élection. Ma prière affirme que le pouvoir exécutif là, présidence là, premier ministre là, gouvernement, nous pas de candidat. Gouvernement, premier ministre là, présidence là, nous pas bail aucune faveur spéciale à aucun candidat. N'a demandé tout ministre, tout délégué départemental, tout vice-délégué, tout fonctionnaire de l'État, pour garder la plus stricte neutralité dans le déroulement du processus électoral. La mission fondamentale qui m'a été assignée comme président de cette équipe gouvernementale provisoire est la poursuite du processus électoral initié en 2015. Cette mission est clairement consignée dans le cadre de l'accord du 5 février 2016. Cette mission me commande aujourd'hui de convoquer le peuple en ses commissions tout en restant à la disposition de l'Assemblée nationale telle que prévue à l'article 7 du dit accord. Aujourd'hui, le peuple est convoqué en ses commissions pour le 9 octobre 2016 et j'inviterai le peuple à y participer en grand nombre, à contribuer à la survie de notre pays en tant qu'État démocratique. Élection, il y a libre, honnête, transparente et démocratique. Que le meilleur gagne et bonne chance à tout candidat.